Salut, salut et bienvenue sur Another Run Page. Comme toujours, c'est Nils. Et j'avais oublié de mettre le silence sur un des navigateurs. Donc oui, il y a eu de l'écho. Salut à toi Adrien, salut à toi The, salut à toi Manu, j'espère que vous allez bien. C'est très gentil de m'avoir attendu, puisque je démarre avec un peu de retard. Exactement, tout à fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais un peu à la bourre. Alors non, la balade du toutou n'est pas terminée, c'est juste que Studio Cyanotype continue la balade du toutou. Et bienvenue à toi Medwo, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu trouveras ici tout ce qui te plaira. Salut à toi Curtisix, hein, j'espère que ça va. Alors, on va essayer de finir notre saga sur la répartition de charges aujourd'hui. Donc l'idée du stream d'aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre deux achats proxy en haute disponibilité. Tu vas enfin pouvoir manger avec moi. Tu stream pas ce soir, Adrien? Puisque, ah oui, bah tiens, je vais le faire tout de suite, tiens, pendant que j'y pense. Allez, méga shootout. Hop, méga shootout à Adrien. Hop, quoi ça veut? Hop, Adrien. D'accord, si, dans une heure à peu près, ok. Je me disais aussi. Tac. À Adrien de la chaîne Linux Tricks. Adrien, alors je sais pas si pour l'instant les quelques-uns qui sont. Qui sont sur le live sont au courant de tes petits désagréments récents. J'espère que c'est en train de se résoudre, ou que ça va se résoudre prochainement. Et justement, et ben alors, puisqu'il y a des gens qui posent des questions, on va faire un petit récap. On peut faire un petit récap viteuf. Notre Adrien Linuxtrix National s'est vu, je crois, dépublier et démonétiser une vidéo, si j'ai bien compris, concernant une actualité récente d'un produit VMware. Ça a pris une tournure inattendue. Ah oui, c'est vrai que oui, Corben, alors on va juste. D'ailleurs, on va en profiter. Qu'est-ce que j'ai fait de mon navigateur? Paf. Corben.info. Sauf qu'il doit écrire au moins 4 articles par jour. Merci pour le follow. Merci beaucoup pour le follow, MathMix007. Alors désolé, je me suis dit que j'allais tester un petit peu plus cette webcam là aujourd'hui. D'habitude, j'ai l'autre webcam qui est là. Et le réflexe, c'est toujours de passer ici et faire ah, oh, salut, merci. Et en fait, hop, d'ailleurs, il est un peu. Tac. Et donc, voilà. Paf, paf, paf. C'est pas ça que je veux voir, même si ça a l'air marrant son article. Il est où? Ça, c'est pas non plus. Voilà, paf. Oh, deuxième. Hop, allons-y. On va faire comme ça. Voilà. Donc, je vais vous mettre l'article ici. Hop. Donc en gros, il s'agit tout simplement que notre ami Adrien. Oui, bah ça c'est fort logique, hein. Il a repris, et c'est vrai qu'en plus moi le sujet de base, je me disais tiens, il faudra peut-être que j'en cause à un moment, et puis il faudra que je teste aussi parce que dans le cadre de certaines autres activités que je peux avoir, le fait que certains produits VMware auparavant payants passent en gratuit pour une utilisation personnelle, c'est intéressant. C'est intéressant, en particulier pour des étudiants et des étudiantes. Et donc je trouve ça intéressant comme sujet, et c'est dommage que si c'est ce que je pense que c'est-à-dire tout simplement effectivement les robots YouTube qui sont des robots, hein,
Et ben, ben voilà, ils ont pas été très fut-fut sur ce coup-là. Et alors bon, moi mes étudiants sont pas au CESI, mais mes étudiantes et mes étudiants sont, sont dans une autre école. Mais le principe reste le même, peu importe l'école. C'est vrai que ça évitera d'une part d'avoir recours au piratage et d'autre part, ça évitera d'avoir recours à un achat potentiellement. Potentiellement assez assez onéreux, encore que je ne connais pas les tarifs de, des produits VMware, Workstation et Fusion. Même si on en a plein des vidéos avec les clés en libre accès. Oh le facepalm. Oh. Oh là là. Alors, étant donné que je mets les replays de ma chaîne Twitch sur YouTube, alors même si j'ai beaucoup de lag encore, je sais pas si je devrais dire ce que j'ai envie de dire, mais bon, moi je ne suis pas à l'heure actuelle, je ne suis pas monétisé, donc du coup je vous encourage d'ailleurs au passage pour que j'atteigne les 1000 abonnés et les je crois c'est 4000 heures de vues. Donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné sur Another Homepage sur YouTube. Tu peux faire un point d'exclamation socials, Adrien, pour ensuite indiquer ma page perso qui est anotherhomepage.org, sur laquelle vous retrouverez notamment tous mes réseaux sociaux qui passent de temps en temps par ici. Mais vous allez notamment avoir ma chaîne YouTube ainsi que mes autres réseaux sociaux. Je pense notamment à... Eh ben, à Mastodon, à Blue Sky, à X, à Instagram, ce genre de choses-là. Oh, c'est gentil ça, merci, merci, c'est gentil. Pour le moment, il n'y a que les replays de mes streams. Un jour, j'aimerais bien essayer de faire des vidéos bah, comme Adrien. Mais pour le moment, je n'en ai pas vraiment le temps. Toujours est-il que ce que je voulais dire, c'est que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des chaînes YouTube qui proposent des films en entier, par exemple. Alors je pense que je suis tombé sur une chaîne assez marrante. Alors je ne m'y suis pas abonné parce que bon, c'est pas forcément ma cam, mais avec beaucoup de films d'action des années 70 à 90, j'ai vu passer un vieux film avec Chuck Norris, un autre, je crois, avec Jean-Claude Van Damme. Donc, c'était quand même complètement ahurissant de voir... Alors, que les choses soient très claires, ça sent les films en direct ou vidéo qui doivent pas avoir un public fou. Non, c'était pas bloqué. C'est pas bloqué. Je ne sais pas si la chaîne est monétisée. J'ai même pas essayé de regarder un des films. Mais voilà... C'est complètement ahurissant. Après, si ça se trouve, les studios qui exploitaient ces films-là ont tous fermé et en fait, il y a personne à qui reprocher. Hein, parce que je tiens à préciser, hein, ce sont des films du genre vieux films d'action, limite nanar. Hein, c'est même pas des nanars, on est avant le nanar, c'est du mauvais film d'action. Enfin, rien qu'à voir les vignettes, on sentait que, voilà... je me demande s'il n'y avait pas un... Enfin, voilà. Toujours est-il que... il se trouve peut-être que, voilà, il y avait tout simplement plus d'ayant droit. Merci Emmanuel pour l'abonnement. Ça fait très plaisir. Salut à toi, Alexia Vassiliki. J'espère que tu as passé un bon week-end. Tu as vu passer... Ouais, la situation... Ah, la situation a été débloquée? Ah bon? Il y a eu des news Ah, rien n'est débloqué. Ok, rien n'est débloqué. Donc, ok. De toute façon, hop, la lettre ouverte qu'on va aller regarder sur linuxtrip.fr, je pense. Je ne peux toujours pas poster. Ah, tu peux pas poster de vidéo. Ah, ils t'ont vraiment... Ah, c'est moche. Ah, c'est moche, ça. Tac. Ah non, ça, c'est vraiment moche. Tenez, allez. Si jamais vous n'avez pas encore lu la lettre ouverte, paf, là voilà. Salut à toi Cybermem, j'espère que ça va, j'espère que t'as passé un bon week-end.
Mais voilà, bien entendu, Adrien, tu as tout mon soutien. Alors, je ne sais pas, moi, à mon niveau, ce que je peux faire. Mais à part te dire que, bah, bien entendu, tu as tout mon soutien. Et bien entendu, à mon avis, si on clique sur la vidéo, bloqué, machin. Tac, 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 tout refusé. Cette vidéo a été supprimée car elle ne respectait pas les conditions d'utilisation de YouTube. Ouais. Tac. Mais ouais, tu vas quand même essayer de produire des vidéos. Ah, ok, ouais, tu sais pas trop quand est-ce que tu vas enregistrer, mais d'accord. Ok. Parce que oui, si tu peux pas poster de vidéos. Et puis j'imagine qu'en plus, passer sur une autre plateforme, ça va être compliqué. On va pas se mentir. Aujourd'hui, quand on décide de faire de la vidéo. Comment dire? De la vidéo même non comment dire non live YouTube ça reste enfin, voilà c'est c'est là où aller grosso modo aujourd'hui ils ont je vais pas dire qu'ils ont un monopole techniquement enfin est-ce qu'ils ont un monopole enfin je sais pas moi Dailymotion Vimeo existe encore mais honnêtement, en termes de possibilités, en termes de quantité d'utilisateurs, aujourd'hui, c'est très clair que c'est YouTube qui domine le marché, en fait. Et que les choses soient très claires, une initiative comme Peertube, je trouve ça génial dans l'absolu. Je trouve ça super. Mais la problématique aussi reste, enfin, l'une des problématiques aussi reste la monétisation et la rémunération des créateurs. Et même si j'ai pu entendre récemment que aujourd'hui la publicité rémunère moins que des partenariats, je crois pas avoir vu de partenariats commerciaux sur Linuxrix par exemple. Ce que je suis en train de me dire, Adrien, c'est est-ce que ça vaudrait pas le coup que par précaution pour ces. Pour ces cas de figure-là, est-ce que ce serait pas une possibilité d'uploader tes vidéos sur un autre service, juste au cas où, pour pouvoir, par exemple, ben, dans le cas de censure de vidéos ou trucs comme ça, dire bon bah écoutez, YouTube n'en veut pas, vous pouvez aller voir chez, je sais pas moi, Vidéo Dailymotion ou un autre. Même si je me doute. Que tu n'auras pas le même impact. Moi, je me suis posé la question, c'est pour ça que j'avais exploré déjà l'alternative Kick au streaming, au cas où Twitch deviendrait problématique, ce qui pour le moment, dans mon cas de figure, n'est pas vraiment le cas. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on a quand même. Enfin voilà, aujourd'hui, si on veut faire du live, en gros, à part Twitch, enfin. J'ai envie de dire, ouais, il y a YouTube et Kick, mais c'est pas le même niveau, c'est pas le même niveau de notamment de, bah de public, où il n'y a pas autant de monde. De toute façon, j'avais zéro personne sur Kick. Et c'est vrai que j'envisage, des fois, je me dis, je devrais peut-être déposer mes VOD sur une deuxième plateforme par précaution. C'est une idée qui me trotte. Alors, vous allez me dire, mais Nils, déjà, tu pourrais peut-être essayer de rattraper ton retard. C'est ce que je veux faire d'abord pour mes VOD. Mais ensuite, je verrai. Salut à toi, Alain B. Qu'est-ce que j'ai loupé? Donc, on disait que, ouais, le script demain. Ok. Les vidéos. Alors, attends, je fais des vidéos pour. Hop, parce que j'ai loupé un. Des vidéos pour qu'elles soient vues, bah oui, effectivement, Peertube n'a pas d'appli TV, pas d'appli mobile, niveau référencement, c'est pas top, je comprends tout à fait. Il y a forcément beaucoup moins de public. The Vengeur, ah oui, qui nous dit que le monopole fonctionne à propos de YouTube, tout à fait. Et on va espérer qu'un humain voit ta situation et te débloque, Adrien. Alexia, oui, qui nous fait des vidéos aussi de temps en temps. Alexia, si jamais t'as envie de faire ta pub ici, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais je me pose de vraies questions sur la bonne plateforme à utiliser.
Je sais plus si tu. Je sais même plus si je. Hop là. Hop, mais si. Tac. Allez, petit shootout à Alexia. Tac. Hop, tant qu'on y est. La plateforme, la visibilité, bah oui, les revenus. C'est un PeerTube qui va bien, mais pour le moment, tu n'as rien voulu paramétrer. Certains te reprochent que l'instance étant en Russie, ils n'y ont pas accès. Ah, et merci beaucoup pour le follow, Luke Danone. Merci à toi, c'est très gentil. Et Gizmo qui propose aussi ses services. Ah, ouais, effectivement, j'ai loupé ce petit truc. Alors, où est-ce que il est le bouton pour aller virer... alors, hop, bannir, ça c'est fait, et... Et ça a été supprimé. Ok, cool. Cool, cool, cool. Désolé, j'ai un peu manqué de réactivité. Que je vois si hop. Côté modération tac. Qu'est-ce qu'on en était ouais, merci pour le follow. Ah, on te reproche ouais, des instances en Russie. Je suis assez surpris d'entendre des instances russes PeerTube sont bloquées. Ah bon, peut-être qu'elles sont bloquées au niveau, comment dire, au niveau, justement, comment on dit, mince, pas fait divers, c'est quoi côté activity pub, non? Je sais plus comment on dit, le côté fédération, peut-être. Quelqu'un m'avait demandé de déménager mon mastodon ailleurs pour voir ce que j'écrivais dessus. Ah, peut-être que ton mastodon était peut-être bloqué par d'autres instances. En 2015, quand je faisais des vidéos sur YouTube, j'avais acheté les droits pour une musique et à chaque fois que je postais une vidéo, je me faisais éjecter. Ça prenait une semaine pour négocier le déblocage, alors que j'avais une facture où les droits étaient clairement légués en mon nom. Ah oui, effectivement, c'est ennuyeux. Tout est lié, oui, chez Calculette. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, j'ai oublié d'ailleurs de répondre à The. Est-ce que tu conserves une copie des vidéos chez toi au moins au cas où suppression chez YouTube? Oui. Oui, je conserve une copie. D'ailleurs, ça commence à prendre pas mal de place. Le NAS est bientôt plein à craquer. Puisque je le garde. J'ai gardé normalement. Par contre, là vous allez me dire, je suis un peu limite, mais aujourd'hui, j'ai sur mon NAS une copie de tous mes streams depuis le premier jour. Par contre, je n'ai pas de copie à l'extérieur. Et je pense pas que YouTube compte comme copie à l'extérieur. Mais je pourrais, là, maintenant, si jamais j'en ressentais le besoin, dans l'absolu, je pourrais vous sortir mon tout premier stream en janvier 2021. Je pourrais. Mais pour la problématique de Alexia, concernant le fait qu'elle a acquis des droits de musique et que malgré tout elle se fait striker, c'est une situation alors que je n'ai pas vécue, mais dont j'ai déjà entendu parler de situations similaires. Et globalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, malheureusement, à part les... certains services plus ou moins automatisés qui vont vous dire faut mettre un code parce que comme ça on peut vérifier que c'est vous, ce genre de choses là. Alors, quel volume ça représente et avoir des copies ailleurs. Alors oui, des copies ailleurs ça m'intéresse dans l'absolu. Mais dans l'immédiat, j'aurais peut-être pas forcément le temps de mettre ça en place.
Merci encore d'être passé, Alexia, c'est très gentil à toi. Merci et bonne soirée et à bientôt. Ensuite, la volumétrique, ça reprend. Paf, 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 je peux vous dire ça un petit instant. Tac, juste pour. Alors. Oh bah il n'y a pas de problème, moi ça me fait plaisir, j'aime bien soutenir les autres aussi. À ce jour, j'en suis à Romain-Tambour. Je viens de lancer le DU-SH. Alors, je suis à 1,1 Tera. Je suis à 1,1 Tera depuis janvier 2021 jusqu'à la semaine dernière. Sachant que dans ces 1,1 Tera, il y a entre guillemets des doublons. C'est-à-dire que jusqu'à ce que je me dise, bon, allez, je vais essayer d'avancer sur les uploads, les vidéos, quand elles étaient postées en VOD sur YouTube, il y avait un peu de montage, notamment le générique de début qui était coupé, le générique de fin qui était raccourci aussi, et Studio Cyanotype faisait aussi une balance sonore et rajoutait des petits messages, abonnez-vous. Vous aurez pu remarquer, si jamais vous avez regardé une de ces VOD, une des VOD plus récentes, entre guillemets, que il n'y a plus vraiment tout ça, et je compte sur le petit bandeau qui est ici. Pour faire office pour faire office de bandeau, abonnez-vous. Donc il y a quand même du doublon dans les 1,1 Tera parce que vous avez ce qu'on va appeler le rush, donc qui est ce que je suis littéralement en train d'enregistrer au moment où je vous parle, et la version un peu éditée qui a été réencodée. Oui, tout à fait, ça commence à manger de la place, je suis assez d'accord. Non, je n'utilise pas vidéo. Là, c'est sur mon NAS. Il y a 1 Tera de vidéo. Mais si ça se trouve, il y a moyen de virer, voilà, il y a moyen de virer une centaine de gigas facile. Peut-être même de 2 à 300. Bref, on va peut-être en rester là pour ce petit sujet. Pour conclure, je dirais soutien Adrien. J'espère que ça s'arrangera. Et concernant la problématique de quasi-monopole de certaines plateformes, effectivement, malheureusement, on est encore tributaire à ce jour. Donc, la semaine dernière, on s'était quitté sur. Passer sur le Home Lab. Je vais baisser un petit peu. Tac. Je vais d'abord vérifier que mes VM sont toutes là. Ok. On va aller se connecter sur. À part. Node. Je crois que c'était Node 14. Hein. Je ne les avais pas appelés comme ça. Bon, c'était Home Lab Node 14. Home Lab Node 14. Et maintenant c'est pas celui-là. Pas besoin d'aller faire un. Donc là j'ai bien un achat proxy. Qu'est-ce qui se passe en attendant? Est-ce qu'on sait pourquoi les streamers qui postent du monté YouTube semblent ne pas garder le flux cam en plus de leur sortie OBS pour monter les zooms cam en bonne qualité? Aucune idée. Aucune idée, Ludolpif. Et salut à toi Lapin Féroce. T'es en avance. Et il y aura une vidéo débrief. Ouais, ok. Je me permets de te demander de lire mon dernier message. J'ai la flemme de me réécrire. Ah, j'ai loupé un message de The Vengeur. Ah oui. Tu as posté une mini-liste de reverse proxy et LB sur Discord si je cherche à présenter des alternatives dans les prochaines semaines. On va voir. Ça pourrait être marrant. Il y a.
Il y a des trucs que j'ai vu passer que j'aimerais essayer à l'occasion. Mais je pense que ce soir, ça va être, on va dire, ça va être globalement la fin du sujet. Il y a des choses que j'aimerais faire depuis quelques temps déjà. Mais on pourra reprendre ça plus tard, il n'y a pas de problème. C'est une excellente idée de Vengeur. Et désolé d'avoir loupé le message. Paf, paf, paf. Merci Adrien pour le copy-paste. Là. Ah. Hop. Alors, donc, on avait, si je reprends, t'es passé où le navigateur? Hop, t'es là. Hop. Si je fais, on était sur scw-other.anotherhomepage.org. Homepage.org. Si je fais un slash achat proxy. Voilà. Donc on a toujours notre répartition de charge de base. Hein. Normalement, si je rafraîchis, voilà. Ça, tout va bien. Par contre, je sais plus si j'ai fait un status, je crois que oui, mais. Voilà. Ah non, ça c'était le app. Pourquoi il revient sur le. Ah, ça devait être un autre truc. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Ok, parfait. Et on avait fait slash achat proxy. Ah, ça devait être repris direct, non? J'avais pas refait de fiche train. Si je me remets ici. Ah, je crois que je l'avais fait directement au niveau du HA proxy, la mise en place du. Alors, allons-y. Non. ETC. Alors, plutôt. ETC. HA proxy. HA proxy. CFG. Et je crois qu'on avait le statut du HA proxy, la page tac 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 stats. Voilà, pas status, stats. Donc je reviens sur mon Firefox ici, et donc c'est pas status, c'est stats. Tac. Et donc là, donc on avait vu qu'on avait comment dire, nos informations qui sont quand même vachement plus comment dire évoluées que du Apache ou du Nginx. Même si honnêtement faire plus évoluer que Nginx c'est pas difficile. Mais ce qui se passe, alors c'est très cool, on a un répartiteur de charge, on sait que si un de nos trois nodes, hein, on a, hop, je zoome encore un peu, mais là on a node 17, 18 et 19, si l'un d'eux tombe, ça va, il nous en reste deux. Donc normalement, quand on prévoit un peu notre capacité, enfin, notre capacité, désolé, je mélange un peu l'anglais et le français, je pensais au capacity planning. Donc finalement, comment dire, à la charge et à comment répartir notre charge et faire en sorte qu'on ait assez ouais, quand même, de capacité de calcul pour pouvoir répondre à un site web en répartition de charge, bah, si jamais on veut avoir assez de puissance de calcul pour pouvoir prendre en compte l'arrêt d'un des trois nodes, c'est vrai que voilà, ça peut être pas mal. Mais on peut aussi décider de répartir et que bah, si on peut répartir au plus juste aussi, c'est aussi une manière de faire, avec laquelle je ne suis pas très confort, mais après c'est un choix. Par contre, là, ce qui se passe, c'est que si je coupe le HA proxy, ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est parenthèse, HA proxy, l'un des plus beaux morceaux de C que j'ai pu voir. Ah. Est-ce que les vidéos concernant HA proxy seront bientôt disponibles sur YouTube? Alors, Gizmo, bientôt, non. Mais j'aimerais faire en sorte que ça avance. Mon souhait, c'est que d'ici la fin de l'année 2024, je sois à jour sur les VOD. Je voudrais vraiment, et idéalement, ce que j'aimerais, c'est qu'en décembre 2024, en décembre de cette année, donc,
quand j'ai quand mes vidéos arrivent, idéalement une semaine à 2 semaines après les vidéos, elles sont mises sur elles sont dispo publiées sur YouTube. Donc ce que j'aimerais faire, c'est popper un deuxième achat proxy, tout simplement. Enfin, quand je dis popper, c'est donc déployer un deuxième achat proxy avec la même conf. Enfin, on va faire du copier-coller bête et méchant, il n'y a pas à se casser la tête. Sur les deux achats proxy, on va rajouter une brique. Si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, il y a plusieurs briques qui vont permettre de faire ça. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Arbit, il y en a une autre qui s'appelle Keep Alive Day. Je crois qu'on va essayer plutôt Keep Alive Day. On verra ce qui est dispo dans les repos Fedora. Donc on va commencer par notre deuxième répartiteur de charge. Donc le 4, ça on va le dégager. Hop, on va aller sur Home Lab. Hop là. Vraiment que je le reparamètre ce clavier. Node, et on va aller sur le 13. Hop, voilà. Sudo dnf moins y install achat proxy. Achat proxy. Tac. Pacemaker à la place de Keep Alive Day. On va voir. On va voir. Mais je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais du Keep Alive Day, je crois. On n'est pas sous OpenBSD, donc je ne vais pas pouvoir faire du car. Keep Alive Day à chaque proxy, c'est vraiment la base. Ok, bah écoute. Je suis pas contre. Après, faut passer au routage BGP. Ouais, alors, sachant que j'ai déjà démarré plus de 20 minutes à la bourre. Presque 30 d'ailleurs. Mettre en place du routage BGP ce soir. C'est pas que je veux pas faire du BGP, hein, mais bon. Ensuite, ce que je peux faire éventuellement, c'est on va pas s'embêter, on va se faire un petit SCP. Pas sûr que ça passe sur le nom. Si je dis un home lab, hop, node 14 2.etc. Achat proxy, achat proxy.cfg, vu qu'on en a qu'un seul. Ouais, non, il le retrouve pas, j'ai dû. Ouais, c'est ça. Allez, j'ai pas bien configuré mes DNS. Donc, on va dire 10.99.99.14. Ah, permission denied. Ouais, bon, allez, on va pas s'embêter. Hop, SCP Home Lab Node 14. ETC achat proxy.cfg là. Et puis ensuite, achat proxy.cfg sur Home Lab-node 13. Hop. Je vais pas y passer 2 heures non plus. Hop là. Et ensuite, juste au cas où, parce que je veux garder les droits, les trucs à Solinux, le cas échéant, home nils. Donc, il s'appelle bien achatproxy.cfg. Hop. Et on va balancer ça. On va le rediriger. Mais, bah voilà. Dans etc achatproxy.cfg. Tac. Et ensuite, on va se faire un petit systemctl enable moins moins now de hproxy. Et pendant ce temps, salut Manon! Bah écoute, ça va, ça va. J'ai commencé un peu à la bourre aujourd'hui parce qu'il fallait effectivement promener le toutou. Mais sinon, ça va plutôt pas mal. Un peu les jambes au coteau ce soir, mais redécouvres ton Mac maintenant que tu as réussi à débloquer le VTX sur ton Mac Intel. Ah bon, c'était bloqué?
Pour faire de la virtu de Proxmox ou avec du Docker, etc. Ah, ok. Parce que pour être honnête, j'ai pas non plus 25 000 Macintel, mais sur les deux que j'ai, j'ai jamais eu à m'embêter avec, avec l'activation ou avec un blocage de, des instructions de virtualisation. Non utilisable par UTM, VirtualBox et VMware Fusio en version non pro. Bizarre. Bizarre. C'est intéressant. C'est la première fois que je. D'un côté, j'ai très envie qu'on en discute un peu plus parce que, honnêtement, je trouve ça vraiment chelou. Hey, merci beaucoup pour le follow, Tony. Merci à toi, c'est très gentil. Ouais, bah oui, je trouve ça vraiment bizarre parce que honnêtement, c'est la première fois que j'entends parler d'un Macintel qui sait pas faire de la VM. Après, je sais pas quel âge il a ce Macintel, voilà, bizarre, étrange. Pour le message de The Vengeur, oui, je crois que j'avais mentionné Carp en disant, mais on n'est pas, comment dire, j'ai pas mis des OpenBSD. Alors, en fait, pour l'anecdote, dans l'anecdote, The Vengeur, tu as Carp sous OpenBSD. Et tu as une autre implémentation, alors je crois que je sais plus si c'est utilisé sur les autres BSD, mais tu as une autre implémentation qui s'appelle UCARP, qui elle est normalement un peu plus portable. Mais le problème de UCARP, la dernière fois que j'en avais causé, je sais plus avec qui, on m'avait fait le retour que ça n'était plus développé. Paf, paf, paf. Vous voyez, la dernière version, elle date de 2010. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a. Alors, il y a l'entrée Wikipédia, il y a une entrée chez Ubuntu.fr, GitHub, UK. Alors, hop, voilà. Et vous voyez, en plus, ce dépôt a été archivé en 2019. Et si on regarde les commits, le dernier commit removeRefrancesLouisCarp.org, donc il a dû arrêter le nom de domaine probablement, et le dernier commit datait d'il y a 5 ans, mais c'était justement pour retirer removeStyleLink. Ah, il y a eu éventuellement un petit code fixe en 2017, ce qui était quand même il y a 7 ans. Donc voilà, ton Mac Intel, c'est un MacBook Pro 2020 Core i5 2 GHz. What? Alors attends, essayez d'installer Proxmox dans une VM de VirtualBox. Attention. Attention, dans ce cas-là, c'est pas VTX ton problème. Ton problème, c'est la virtualisation imbriquée. Non? Ah, ou alors. D'accord, oui, d'accord. C'est pas un problème de. C'est pas un problème de. Ouais. La virtu imbriquée. Ok. Ok, donc ça effectivement, c'est un petit peu plus. Alors, à ma connaissance, la virtu imbriquée avec VirtualBox, comment expliquer? De ce que j'en ai compris, de ce que j'avais vu, parce que je m'étais aussi renseigné sur ce sujet, la virtu imbriquée dans VirtualBox, pour un alignement des planètes. Pour un alignement des planètes, c'est-à-dire qu'en gros, de ce que j'avais vu, je sais pas si ça a bougé depuis, mais à l'époque où j'avais regardé, il fallait avoir impérativement un processeur AMD et je sais plus quoi d'autre exactement, mais genre il fallait vraiment le même setup particulier que parce que honnêtement, c'était pas, on sentait que la peinture était pas sèche. Et je crois que j'ai voulu essayer, mais quand j'ai vu les trucs comme ça. Je me suis dit, ouais, non, je vais pas compter dessus. Je vais pas compter dessus. Donc oui, si tu peux faire des VM, c'est que tu n'as pas de problème avec la virtualisation. Par contre,
que les logiciels de virtualisation ne gèrent pas la virtualisation imbriquée, ça, c'est un autre... une version moisie de VMware, ok. J'ai envie de répondre, mais VMware, c'est moisie de base, donc ça veut dire toute version de VMware. Mais c'est peut-être un peu, comment dire... C'est peut-être un peu trop exagéré de ma part. On va pas se mentir, c'est quand même les numéro 1 mondiaux de la virtualisation. Bref, donc UCARP aujourd'hui, malheureusement, c'est plus une option très, très valide. La dernière 13.x de VMware en pro est... Oui, 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 on est au courant qu'elle est gratuite, on est au courant. On est au courant, mais effectivement, il faudra peut-être que tu ailles le dire à Google et en particulier à YouTube, Manon. Si jamais tu connais des gens chez eux, je pense qu'il y a des gens qui t'en seraient très reconnaissants. Parce que visiblement, chez Google, ils n'ont pas eu le mémo. Voilà, exactement, la même blague qu'Adrien. On est bien au courant, mais pas YouTube. Évite de mettre ton replay sur YouTube. Si, si, je le mettrai. Je le mettrai. Je le mettrai quand même. Et puis en titre, je mettrai YouTube l'enlève pas, s'il te plaît. Désolé, je rigole, mais honnêtement, enfin, c'est vraiment... enfin, bon, on en a déjà parlé un moment avant que Manon arrive, mais... c'est pas bien de se moquer. Non, mais... Salut à toi, Mnemeto. Que je sois très, très clair, Adrien, moi, je compatis, je te soutiens. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. C'est Google et YouTube que j'ai envie de... dont j'ai envie de me moquer, là. Bref, donc normalement j'ai un HA proxy fonctionnel sur une deuxième machine qui a si je fais un système CTL status HA proxy, a priori ça tourne, il me dit status ready, ce qui veut dire que si jamais je vais ici et que je me reconnecte justement sur mon sur le reverse proxy avec lequel vous pouvez jouer si ça vous chante. Et que là, au lieu de... ah oui, mais merde, j'allais oublier un truc, moi. Et pardon pour le juron. Homelab out. Voilà. Si je viens ici... on va se rajouter je l'avais mis sur le port 5000 le HA proxy Ah j'ai pas les SOF. Ok. Donc effectivement, c'est bien HA proxy qui tourne sur le port 5000. Et merci beaucoup pour le follow BlackG3002. Merci à toi, c'est très 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 gentil. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Moi, c'est pas grand chose si on relativise. C'est très bien que tu relativises, Adrien. Très bien. Je suis content de lire ça. Alors, hop, j'en étais à effectivement hop, 1014. Donc, si je fais 1013, alors j'ai oublié de relancer un truc. Donc, ici, donc là, je rajoute mon petit NAT juste pour le LOL. Hop. Alors, Almonus a récupéré Imoto Nichat. Ok, la semaine prochaine, tu fais un stage de remise à niveau Linux imposé par le boulot, je sens que je vais me balader. bah écoute, amuse-toi bien.
Ah oui, pardon, Black G. J'avais pas vu le message avant le emote chat. Je sais même pas si je peux le. Si je peux le. Comment dire? Le. IRL World Ban. Oh là. Windows. Ah, vous avez décidé de vous amuser avec les points de chaîne. Je sais même pas comment je peux. Comment dire? Comment je peux obliger à avoir un. Un emote only chat. C'est. Là, c'est malin, vous me. Hop là. Bref. Black G, je vais essayer quand même de répondre à ta question, parce que bon, là, tu dois être en train de te dire, mais il m'a pas répondu, il n'a pas vu mon message? Si, si, j'ai vu. J'ai vu. Je suis juste un peu loin à la détente, c'est tout. Grosso modo, on a. Tu arrives sur la, entre guillemets, la fin d'une série de streams pour lesquels j'ai fait joujou avec de la répartition de charges. Je crois que le emote only chat, il est dispo par défaut, mais il faudrait que enfin, globalement, ici, les points de chaîne, honnêtement, à part récupérer les emotes moutons, je suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose et si me faire boire un coup de temps en temps quand même. Toujours est-il que pour répondre à notre ami Big Black G, pardon, tu as en gros, il y a, j'ai fait de la, voilà, j'ai fait des streams sur des logiciels de répartition de charges. La semaine dernière, on en a utilisé un en particulier qui s'appelle HAProxy. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est mettre deux HAProxy en parallèle pour pouvoir faire de la haute disponibilité de mes répartiteurs de charges. L'idée, c'est donc que j'ai un certain nombre de machines qui servent à un même site web derrière, et que on ait un répartiteur de charge qui renvoie le trafic sur ces machines, et que si jamais ce répartiteur de charge lâche, eh ben, on peut basculer sur un deuxième. Faire de la haute dispo d'un truc de pseudo haute dispo. Ouais, tout à fait. Donc. Là, j'ai mon port redirect. Donc là, je voudrais juste valider que le deuxième répartiteur de charge fonctionne. Donc là, j'ai changé pour passer sur l'autre répartiteur de charge, sur le node 13. On va faire un restart de notre Nginx. Et donc là, normalement, si je reviens sur mes statistiques de HAProxy, en toute logique, soit ça n'a rien changé, soit on pourrait voir quand même que c'est plus la même machine. Mais je ne suis pas sûr de voir la différence. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller jeter un œil sur notre node 13. Et puis, si je sais ce que je n'ai pas fait, je sais ce que je n'ai pas recopié comme configuration, je n'ai pas recopié la partie log. Je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière. On s'est rendu compte que bon, les logs, c'était un petit peu embêtant. Par contre, je peux le vérifier rapidement avec journal CTL. Et si je fais un journal CTL moins FU de HAProxy, normalement, je devrais avoir les logs qui passent. Et est-ce que je vais avoir des logs d'accès ou des trucs comme ça? Si je fais un petit. Là, je vois rien. Et si je vais juste sur mon HAProxy comme ça. Homelab note 19. Hop là. Tac. Donc ça passe. Et la question, c'est est-ce qu'on voit des choses là? Non. Par contre, est-ce que j'ai un TCP dump là-dessus? Ouais, j'ai un TCP dump. C'est quoi déjà l'interface réseau? TCP dump, allons-y, moins M, moins I, ETH 0, moins P, TCP, and DST. Port 5000. Tac. Et là, on a du trafic. Donc, on est bon. Bon, je vais peut-être pas configurer les logs sur mon HAProxy, mais ça, à la limite, c'est pas très grave dans l'immédiat. Mais on a au moins pu valider que le deuxième répartiteur de charge fonctionne. On a du trafic ou du trafic? Pas mal, elle est pas mal celle-là, oui, elle est pas mal.
J'oserais presque dire, histoire de lancer le concours, de dire qu'on est, on n'est pas loin, on n'est pas loin du niveau Manon. Alors, maintenant, paf, 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 si je veux aller faire, on va essayer du Keep Alive Day, tiens. DNF, hop, search. Est-ce que j'ai Keep Alive Day dans les repos? Ouais, il y a du Keep Alive Day. KeepAlive.org. Allez hop. On va aller voir comment faire jouer avec ça. Il y a un groupe DNF de mémoire. Ah. Il y avait une release 2.2.8 qui est sortie l'année dernière. Et bah, ça tombe bien, c'est celle qu'on a dans Fedora. Hop. Documentation. C'est bien ça? Oui, exact. High availability. Ok. Dans le contexte des VM qui hébergent des applis, j'ai des envies de vieux. De vieux. Ok, avec des. Avec dans grub, net.ifname égale 0, bsdevname égale 0, pour ne jamais avoir la question comment elle s'appelle déjà la seule interface réseau. Toujours ETH0, du coup. Alors, c'est assez marrant ce que tu dis parce que. Effectivement, j'ai un net.ifname égale 0, mais je pense pas que ce soit moi qui l'ai paramétré. Puisque, en gros, les machines virtuelles, là, les nodes 10 à 19 que j'ai déployées pour pouvoir faire cette suite de stream. J'ai utilisé Fedora Cloud. D'ailleurs, si je fais un cat etc, je crois que c'est système, hein, système release, ou non, c'est OS release, je crois, parce que système release, voilà, c'est juste ça. Si je fais OS release, ça va être un petit peu plus. Mais voilà, c'est bien la Cloud Edition. Et oui, effectivement, sur VMware, c'est toujours ENS 192. Ça, je suspecte que c'est à cause du pilote d'interface réseau VMware. Concernant après mes machines physiques, effectivement, j'ai pas modifié justement le BIOS DevName. J'utilise du coup les interfaces, les noms d'interfaces en théorie prédictibles, mais ou stables, effectivement. Puisque pour l'anecdote, comment dire, l'une des raisons qui ont poussé à ce truc-là, ce qu'on appelle voilà, le BIOS DevName, c'est parce que il y a eu des cas de figure où vous aviez des machines qui avaient une interface ETH0 et une interface ETH1, pardon. Et où les interfaces étaient tout simplement inversées à la suite d'une mise à jour noyau. J'ai échappé à ce genre de blague, mais dans une ancienne vie professionnelle, juste avant que je débarque, le problème s'était posé. Et puisque Adrien cite Debian. Moi, j'avais vu, enfin, j'avais vu, du coup, j'avais entendu parler de ce genre de problème sur RHEL4. Ça dépendait de l'ordre de détection des cartes. Tout à fait. Ah, mise à jour de BIOS qui peut poser problème. Ah, Ludolpif, tiens, tu me l'apprends. Ah, bah, aujourd'hui, j'ai appris. Donc, c'est ce qui, je pense, a motivé la création de ce genre de choses. Qui quelque part s'inspire de BSD. Si jamais vous installez un FreeBSD, un NetBSD, un OpenBSD ou un Dragonfly, vous allez remarquer que les interfaces réseau, en fait, elles ont un nom et ce nom dépend en fait du driver réseau qui est utilisé.
Donc typiquement, si vous installez une machine virtuelle, alors moi je vois le cas de figure sur des machines virtuelles, donc Linux KVM Libvirt, enfin sur un hyperviseur Linux KVM Libvirt, sur des machines virtuelles NetBSD, si j'utilise si je mets en carte réseau virtuelle sur la VM une interface réseau Libvirt de chez Libvirt, l'interface réseau dans NetBSD va s'appeler VIO if 0 et 1, 2, 3, ainsi de suite. On avait déjà UDF qui renommait les interfaces en ayant gardé l'association MAC name. Donc c'est un palliatif de plus alors qu'on avait déjà des choses en place. Ok, bon à savoir ça malgré tout. Et c'est pas un coup de l'ENA pour une fois. Je sais pas non plus si c'est... parfois même avec des noms prédictibles, j'ai eu le cas où après des matchs BIOS sur des Dell PowerEdge, ça remélange. Keldint, est-ce que c'est en ayant le BIOS DevName à zéro ou c'est des... Ah oui non, tu dis même avec les noms prédictibles. C'est quand même bizarre parce que justement je crois que Dell avait poussé pour ce BIOS DevName. Bon donc les noms prédictibles. C'est dommage. Oui, les noms stables sont importants pour les machines qui ont plus d'une interface réseau. Exemple les routeurs. Ça me paraît être une mauvaise pratique pour une majorité de VM. Effectivement, après pour les VM qui ont une seule interface, c'est vrai que c'est pas. Bon, toujours est-il que moi, je voulais à la base installer Kiko Live D. Et a priori, on a aussi IPVS ADM qui est. Mais on va déjà essayer Kiko Live D. Oula, et ça envoie hein, au niveau dépendance. Et combien de packages là? Alors je sais que c'est des tout petits packages, j'ai l'impression, ouais. Ah ça va, 8 mégas 7, 29 mégas d'installer. Mais sur l'instant c'est, mais il y a beaucoup de dépendance. Mais bon, les trucs font tous 25, 35, 18 kilos, ça va. Pauvre HPN, il va pas pouvoir, à cause de nous, faire son achat. Mais c'est pas grave, Adrien. Alors Ludolpif, moi j'ai vu passer un changement de VM de Xen à VMware. Donc finalement dans l'autre sens, ça a été sportif. Le Pearl, c'est la vie. Plein de dépendances parce que c'est super découpé. Oui, effectivement. Hein, quand on voit que voilà, il y a. Donc il y avait 64 packages à installer. Mais chaque package est quand même assez léger en lui-même. Donc finalement, le plus gros truc, c'est Pearl Encode qui fait 1 méga. Et on a des trucs SNMP. Bon. Hop là. Ludolpif, tu dis c'est du Xen que t'as fait il y a super longtemps. Si ça laisse les adresses MAC, normalement ça doit passer. ETC, Keep Live D. Alors. Oh là oui. Dans quoi est-ce que je me suis lancé? Tac tac tac, virtuel server. Ah oui d'accord, il y a des virtual servers par défaut. Tac, tac, tac. Ok. Alors. Je suis en train de me poser une question à la con. Est-ce que par hasard, je vais... Hop. Je vous ai dit qu'il y a un site que j'adore. Et que ce site s'appelle server-world.info. Et que c'est vachement sympa. Et là, je me posais la question, est-ce que Server World a pas un... Tiens. Il est pas... Euh...
Allez, c'est pas grave. Alors. Cool geek. Cool geek qui nous troll un petit peu. Paf, paf, paf. Je suis en train de me demander si Star Wars World avait pas un petit. Un petit tuto sur. Sur qui peut l'AFD, mais j'ai pas l'impression de voir quoi que ce soit. Référence d'une série de livres, sauras-tu la deviner? Alors non, non, j'ai pas la, j'ai, je suis pas très très. Ah mais si, on a. On l'a, mince, je l'ai perdu. Ah bah zut alors, il était passé où? Il y a bien, il y a bien un petit tuto de chez Server World. Il est pour Debian 12. Ce qu'on va pouvoir faire. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais aller faire un petit CP-VP. Allez, on va copier ça. Tac. Et ce qu'on va faire. Non, c'est pas Nullbuck. Hey, merci beaucoup pour le follow, Echo29. Merci à toi, c'est très gentil. Donc là, on a un confi, un fichier de conf. Pour le moment, en termes de global def, on va faire sauter un peu tout, sauf le routeur ID. Tac. Puisque le reste, à la limite, pas envie de m'embêter dans les médias. Et on va l'appeler, bah, du coup, c'est le note 13. Hein. Hop. Donc on va l'appeler Homelab. Non, je vais juste mettre note 13. C'est jamais. Et ensuite, eh ben, voilà, on a une instance VRRP. Alors, oui, tenez, tiens, au passage. Ouais, puissance du DuckDuckGo. pour l'anecdote, le protocole qui va être utilisé pour mettre nos deux HA proxy en haute dispo, c'est un protocole qui s'appelle VRRP. Et on avait parlé un peu plus tôt dans le live de Carp. Eh bien, figurez-vous que Carp, c'est pas seulement une. C'est pas seulement une. C'est pas seulement une, comment dire, une implémentation différente, mais c'est un protocole différent. Puisque je crois que ce qui justifiait notamment. De développer Carp avec leur propre protocole plutôt que d'utiliser VRRP, de réimplémenter VRRP, les gens de chez OpenBSD, c'est qu'en fait VRRP, c'est un protocole qui a été développé notamment, je crois, par Cisco. Et Carp, c'est pas seulement un poisson, et ce n'est pas un blowfish, effectivement. L'année 2024, pas négligeable. C'est pas possible. Je vous adore, je vous adore. Franchement, je vous adore. ouais, on va le laisser en state master sur l'interface ETH0 virtual router ID. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 13. Remarque, faut mettre un unique ID sur chaque interface VRP. Il faudra qu'il y ait le même node. Bon, on va s'embêter dans ce cas-là. Allez. Magikarp, ou ça. Oh! Mais il n'y a pas de souci, vous avez le droit d'être intenable. Moi, vous me faites rire. Moi, je suis toujours partant pour les bêtises, donc il n'y a pas de souci. Sachant que VRP est utilisé par les routeurs et ou switch en entreprise, ça risquerait de poser problème, non? Alors, je crois que il y a des brevets liés à VRP, je crois.
Donc, OpenBSD, pour rappel, le projet OpenBSD est entre guillemets hébergé au Canada parce que les responsables du projet ne voulaient pas, parce qu'au début ils étaient aux US et ils ne voulaient pas avoir de problématique de on est obligé de mettre on est obligé de mettre des backdoors dans OpenBSD. L'interface spécifique au achat n'est pas censée être utilisée sur un réseau dédié. Par conséquent, pas de souci. Je prétends pas faire un truc qui soit à l'état de l'art, Adrien. Mais on pourrait envisager effectivement d'avoir un réseau dédié. Moi, j'ai juste pas envie de me prendre la tête. Tu pensais au conf qui aurait pu poser problème entre les admins réseau et les admins 6 s'ils utilisaient les mêmes confs VRRP. Ah! Non, mais dans le cas de la question. Je suis pas sûr de suivre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il va nous falloir une adresse IP virtuelle. L'OTANT, on. Ouais, si, sur le principe, on va mettre l'OTANT. On va mettre l'OTANT. Et j'ai envie de rire un petit peu. On va mettre. Je crois que l'IP 9 est prise. Si je reviens ici. Ping 10.99.99. Alors la 9, elle est prise. La 10, de toute façon, elle est prise. La 8, est-ce qu'elle est prise? La 8, elle n'est pas prise. Allez, ça va être la 8. Ça va être la 8. Là, je me perds. À titre d'info, l'implème de VIP sous PFSense utilise CAR. Ok. Donc FreeBSD a implémenté CAR. Ça, c'est cool. Globalement, en termes de conf, alors, de ce que je vois, nous, on a le master, mais je n'ai pas mis de no preempt. Alors, qu'est-ce que c'est le no preempt? Ah, c'est l'automatical fallback. Ok. On va laisser comme ça pour l'instant. Une map moins SP. Oui, c'est une technique, effectivement. PFSense, c'est du FreeBSD. PFSense, c'est du FreeBSD. Donc ensuite, il va nous falloir. Tiens, c'est marrant. C'est marrant sur le truc. Hop là. La conf qui m'est proposée sur. Sur Server World, pour l'instant. Je vois zéro config. On va avancer. Pour le moment, si je fais un systemctl enable moins now, je peux l'AFD. Donc il est démarré. Il est démarré. Si jamais je vais sur une autre machine et que je fais un ping vers justement. Donc là, normalement, maintenant on l'a. Maintenant on l'a. Donc ça, c'est très cool. Qui peut l'aider? Ah, alors, pendant ce temps.
Ah, il met un petit peu plus de temps à télécharger, on dirait. Bon, c'est pas grave, pendant qu'il télécharge. Oula! Ah si, il télécharge, c'est bon. Voilà. Tac. Et là, je suis en train de copier exactement la même conf, sauf que ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre backup. Ça, c'est bon. La priorité. Ah, tiens, j'avais laissé la priorité à 100 là-bas. Du coup, on va la mettre à 99 ici. Salut à toi, Elisa. On va laisser ça, on va laisser ça. Est-ce qu'il y a un autre truc à... Ah, bah si, il y a un autre truc à toucher. C'est lui. Et le mode 14. Donc là, normalement. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est que si je fais un IPA, on a ici une seule IP. Si je reviens ici, que je suis un IPA, j'ai deux IP. J'ai toujours la 10.99, 99.8. Par contre, si je fais un stop ici, en toute logique, voilà, l'IP elle est repartie de l'autre côté. Et si je rallume ici, hop, l'IP est revenue. L'IP est revenue. Et de fait, si je reviens là, l'IP est reparti. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. C'est très cool. Moi, ça me va. Maintenant, ce qui pourrait être sympa, ce serait d'aller maintenant. Ce que je voudrais, c'est d'aller sur HomeLab out. On va aller ici et le 8008. Je l'ai pas. Hop. Comme je suis un peu. Je vais même faire un petit peu de. Ouais, bon. Je vais le laisser ici. Voilà. Donc là, en toute logique, si je reviens ici. Et que je prends mon STW, est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Hop, on va se faire un petit, une petite pause inattendue. Hop. Avec un toutou. Anna. Anna. Hop là. Oh oui, c'est bien ma belle. C'était bien amusé, c'est parti. Voilà, on lui a appris à ça. Enfin, c'est sûr, c'est un type qui a appris à ça. Je pense que ce que je vais faire bientôt. Bien ma belle. Ah oui, ah, voilà. Elle s'assoit après que je lui ai donné la friandise. C'est quand même pas mal ça aussi. Je suis en train de me demander si je ne devrais pas faire comme un Foréa. Pour l'anecdote, un Foréa, il a une caméra dédiée à son chat. Je me demande si je ne vais pas mettre une caméra spéciale. Hop. Forcément, les friandises s'en vont, le chien aussi. Exactement après la 4 cam. Alors, je crois qu'un Foréa, lui, il dit la chacam. Hop. On pourra faire la dog cam ou la chien cam. Voilà. Toutoucam. La toutoucam, on me dit. Autre possibilité. Alors. Hop là. C'était l'instant câlin. Donc a priori, ça fonctionne toujours. Sauf que en fait, c'est normal que ça fonctionne toujours. C'est parce que,
Il me manquait un truc. C'est que j'avais pas fait ça. Donc là, c'est le 8008 qu'il faut mettre. Tac. Donc là, maintenant, on va pouvoir vérifier que ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne. Ok, donc là, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le trafic depuis le reverse proxy, vous pouvez essayer vous-même d'ailleurs, hein, si ça vous chante. Hop là. Vous pouvez donc essayer. Là, ce qui se passe, c'est que le trafic, lui, il va sur. Pour l'instant, il va sur un. Alors, je ne sais pas lequel. C'est un peu dommage d'ailleurs, il n'y a pas moyen d'avoir le hostname là-dessus. Homelab, note 18. Non, mais je voulais savoir sur lequel des deux HA proxy j'étais en fait. Parce que après, je peux le savoir en allant regarder ici. Là, je vois bien que la 14, elle est down. Hop. Enfin, la 14, il n'y a pas l'IP, mais là, sur la 13, il y a l'IP. Donc, je me doute bien qu'on est sur le HA proxy du Note 13. Mais j'aurais aimé le voir. J'aurais aimé le voir. Et si je te demande ton adresse locale, tu me réponds aussi? Mais en fait, c'est juste que. Ouais, voilà, je l'attendais, je l'attendais, merci. mais en fait, ce qui m'embête, c'est que là, je vois pas l'information sur le HA proxy qu'il est. Tu es passé par un proxy au cas où si j'affiche. Ouais, bon, c'est gentil, merci d'être passé par un proxy parce qu'effectivement, c'est un peu le risque. Mais bon, toujours est-il que pour le moment, là, ça fonctionne. Et si jamais, bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un TCP dump. Moins N. Oh, tiens, t'en voilà toi. Ah bah non, il n'y a plus de friandise, ma grande. Oui, hein, à part que je mette une caméra à nouveau, hein, pour qu'on ait les deux en même temps. Elle cherche des friandises. Elle est revenue, elle cherche des friandises. Je pense que Studio Cyanotype a rangé les friandises. Donc, moins N, moins ETH 0. Et si je fais un... moins P TCP. Non, attendez, on va faire un petit DST host. Bon, si ça passe comme ça. Ouais, donc si déjà je fais ça, là on a du trafic. Ok. And TCP port, et je crois que c'est port 5000, hein. Tac. Oui, on a du trafic. Ok, donc là je peux revenir sur. Et là ça passe. Ok, donc ça c'est cool. Ça c'est très cool. On voit le trafic qui vient donc sur l'interface virtuelle. Et si je viens ici et que. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la même. Hop, voilà. On prend le même TCP dump. Et là, je fais mes contrôles Shift R. Et là, il n'y a rien du tout. Par contre, maintenant, je fais un stop de mon keep alive D. Et là, ça marche toujours. Et si jamais je bascule sur cette vue-là, sur l'autre HA proxy. On voit bien que là j'ai du trafic. Et si ensuite
Alors, attends, je vais revenir là. Je fais hop. Et là, si je relance mon Keep Alive D, en toute logique, il devrait récupérer au bout d'un instant, voilà, l'adresse IP virtuelle. Là, je relance. Alors là, je ne vous ai rien montré, mais c'est pas grave, puisque là, de toute façon, il ne se passe rien. Si je reprends à nouveau mon TCP dump et je refais quelques CTRL-SHIFT-R, là, on a du trafic. Donc ça, c'est cool. On a pu voir que en coupant Keep Alive D, on peut basculer l'adresse IP virtuelle d'une machine à l'autre. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais je coupe HAProxy ? Et ben là, c'est le drame. C'est le drame parce qu'en fait, je n'ai pas de détection de la coupure de HAProxy pour déclencher une bascule de notre adresse IP virtuelle. Et ce que je vous propose, c'est qu'on essaye justement d'ajouter cela à notre conf. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter VRP process. La question qu'on peut se poser, c'est ne serais-je pas en retard pour lancer mon stream car je suis absorbé par celui de... Ah oui, effectivement, tu vas être à la bourre, Adrien. Mais si tu passes un bon moment, c'est le principal. Et on va l'appeler track underscore à chaque proxy. Process. Alors je crois que c'est à chaque proxy mon process. Hein. Ouais, peut-être un... Et a priori, le truc me dit de mettre une petite conf de délai. J'imagine qu'il y a une raison. Et ensuite, en dessous de notre adresse IP virtuelle, il faut rajouter un track ici, process. Et on dit track HAProxy. Ah, j'ai oublié un... Hop, j'avais oublié. Voilà. Donc ça... De ce que je vois sur la config, ça devrait le faire. La question que je pose, est-ce que c'est bien... USR, Zwin, HAProxy. Ok. Bon, bah allez. Restart. Non, j'ai pas de restart. Paf. Pas HAProxy qu'il fallait relancer. C'est qui peut l'AFD. Mais remarque, je peux laisser le point service, c'est pas grave. On va aller rajouter ça sur l'autre node, sur le 14. Hop, et on se rajoute ici le petit track process. Tac. Restart, un petit peu l'AFD. Voilà. Ensuite, si je refais un petit IPA, là j'ai que la 14. Si je reviens ici, j'ai la 13 et la 8. Donc, si jamais je fais un système CTL stop de HAProxy. Là, vous voyez, on a plus la... Et pourtant, c'est bien HAProxy que j'ai coupé. Hein. Donc là, en toute logique, ici,
On a dû récupérer l'IP et c'est allé assez vite. Comme disent les Anglais, see you on the other side. À très vite pour le raid, Adrien. Donc là, c'est plutôt pas mal. Parce que si jamais notre HA proxy plante, on a une redondance qui se fait. Et en toute logique, voilà, ça revient. Alors, je vous refais pas l'exercice en vous montrant le... Normalement, j'ai plus de bad gateway. Hein. Voilà. Et j'ai toujours mes stats qui sont dispo. Hop là. Et remanon. Alors, de ce que je vois dans la... Dans les... comment dire, dans les tutoriaux de Server World. Que bon, hein, je rends à César ce qui appartient à Jules. C'est franchement des sympathiques documentations. On a aussi moyen de faire du monitoring avec avec des scripts. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que justement, il montre aussi un exemple avec HA proxy. Et en fait, ce qu'il dit, c'est d'utiliser un script qui va faire un système CTL is active. Et il a aussi, voilà, il y a aussi moyen d'aller faire un monitoring au résultat d'un, par exemple, d'un netcat sur un numéro de port. Et d'avoir plusieurs scripts en tracking. Alors après, on peut envisager de mettre n'importe quoi comme script. Donc si par exemple, je dis là, je sais pas moi, la load allait être 50. J'ai un script qui dit, une fois que la load a passé les 50, tu renvoies autre chose que 0. Remarque, on me dirait si la load, elle dépasse une autre valeur. Est-ce que le script va pouvoir s'exécuter? Mais on peut envisager d'autres possibilités. Finalement, je suis à peu près arrivé au bout de ce que je voulais, montrer, c'est-à-dire quand même pouvoir faire basculer mes répartiteurs de charge assez facilement. Et globalement, on a une conf qui est pas non plus imbitable. Alors après, il y a pas mal d'autres options. Hein. Il y avait une option dans les trucs de base qui était montrée par Server World. Il y a une option qui est je crois le no preempt pour éviter, en fait, vous voyez que moi dans mon cas de figure, dès que je remets le node master, quand je le coupe, donc le trafic bascule sur le node backup, mais que quand je rallume le node master, ça revient tout seul. Et en fait ça, il y a moyen de l'éviter avec le no preempt. Ça peut permettre d'empêcher ce qu'on appelle les phénomènes de bagotage. L'idée, c'est que si jamais dans mon cas de figure, le homelab node 13 venait à faire up, down, up, down, up, down, et ben on aurait des rebascules dans l'autre sens. Et si on met le no preempt, ben on aurait une seule bascule. Et une fois qu'on aurait pu stabiliser la situation sur le node 13, on aurait pu ensuite couper le node 14 un instant, juste le keep alive day, pour forcer la rebascule sur le node 13. Ce qu'on peut faire en dernier lieu, quand même comme petit test, hop, c'est que on va se faire un petit watch -m5. Et là, vous voyez, tiens, je vais même faire un EDR. T0, ETH0. Donc là, j'ai juste ça. Et encore, il y a beaucoup trop d'infos. Je vais faire un moins 4. Je crois que c'est moins haut. Voilà. Donc là, j'en ai juste une seule. Si jamais je recoupe à nouveau, qui peut live.
Voilà, il est repassé. Je fais un start. Et là, normalement, il va partir. Si c'est pas déjà le cas. À la limite, ce qu'on va faire, étant donné que on n'a pas grand-chose, on peut se permettre de faire un watch moins zen. Allez, quelques secondes. Maintenant, ce que je voudrais tester, juste pour le lol, on va faire un reboot de la machine. Allez, c'est parti. Donc là, normalement, je reboot la machine. Et pendant ce temps, vous voyez assez vite, l'IP bascule. Et à mon avis, quand l'IP va à nouveau disparaître, la machine sera à nouveau dispo. L'autre en face sera à nouveau redémarré. Salut à toi, Nastorm94. Tu arrives malheureusement à la fin du live. On a bientôt fini en fait. Alors. The Vengeur, je viens de voir ta liste. Effectivement. Je pensais que tu aurais cité Caddy, mais. Bon, vous voyez, entre-temps, il est. Et là, je me reconnecte. Alors. Si je fais un status du type LFD, ben. Voilà, on est bon. Pas de soucis. Et on peut voir en plus au niveau du. Si on fait un journal CPL moins FU de l'AFD. On peut même faire un. Hop, un RU. J'ai loupé un truc. T'inquiète pas, moi je suis revenu à peine 6 minutes plus tôt. Ouais, mais Manon, t'es quand même passé à un moment, t'as quand même un peu suivi. Mais ce qui est assez sympa, c'est que vous voyez en gros, il y a tout un tas de messages de log. Et donc là, en l'occurrence, là, on est sur le principal, le master. Et si je vais sur le backup ici, et que je fais d'ailleurs la même au niveau des logs, on a quand même pas mal de choses. Et vous voyez à chaque fois, backup state. Master State. Donc à chaque fois, on voit le résultat. Et ça, c'est assez chouette. Bien. Bon, ça finit par bien se passer. Essaye de remonter le moral à Nas qui a pas pu voir le déploiement. Non, effectivement. Effectivement. D'ailleurs, Nastorm, si jamais tu regardes la rediff. Je pense qu'il y a une bonne première partie, une bonne grosse demi-heure où on parle des déboires de Adrien de Linux Tricks. Donc le sujet principal ne démarre pas dès le début du live. Bien, bien, bien. On va pouvoir repasser comme ça. Et on va pouvoir se dire bientôt au revoir. J'espère que ça vous aura intéressé, cette petite série. Cette petite série de live sur des load balancers et ce dernier sur Triple AFD. Effectivement, The Vengeur a des bonnes idées. Ça pourrait être intéressant d'essayer d'autres logiciels moins connus et de voir. Alors, j'irai pas jusqu'à tester les perfs, honnêtement. Je sais pas si j'ai vraiment. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, vouloir tester les perfs, ça dépendrait vraiment de différents cas de figure. Donc, et puis, je pense que faire du benchmark. Sur de nombreux cas de figure, c'est peut-être pas intéressant visuellement, mais ça peut être marrant de voir un peu comment ça fonctionne selon que les logiciels soient dispo facilement sur différentes distributions Linux. Moi, je sais que j'ai vu passer de la doc directement sur le site officiel du serveur web et reverse proxy Kaddy que j'essaierai bien à l'occasion. Je dis pas que je veux l'essayer genre tout de suite. Mais je me dis que ça peut être une idée d'avoir ça dans un coin, peut-être pour un prochain live. Toujours est-il que là présentement, pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer dimanche prochain.
parce que je voudrais éviter de faire un truc qui déborde sur deux parties. Tout simple, ou à moins que ça vous dérange pas, parce que en fait, donc le live de dimanche prochain devrait avoir lieu comme prévu, mais le live du dimanche d'après est annulé. Et je vous avais prévenu, je crois, pour les habitués, si celles et ceux qui viennent régulièrement, je crois que vous avez dit que fin mai, début juin, il y avait un live qui allait sauter. Donc le live du 25 juin, enfin pas 25 juin, le live du 25 mai devrait avoir lieu normalement, mais par contre, non pas du 25, du 26, pardon, du 26 parce que je ne live pas les samedis, je live les dimanches, mais par contre le live du 2 juin, lui, n'aura pas lieu. Voili, voilou. Mais on se retrouve généralement les dimanches entre 18h et 20h, sauf aujourd'hui où j'étais un petit peu à la bourre. Il n'y a qu'un live par semaine pour le moment. Je n'ai pas prévu dans l'immédiat de repasser à deux, pourquoi pas essayer trois, mais non, non. Hein, c'est suffisant dans l'immédiat. Vous pouvez retrouver les replays de très anciens lives, pour l'instant on a encore un peu un an de retard, sur ma chaîne YouTube, mais de toute façon, il y a toujours les deux semaines de rétention sur Twitch. Entre deux lives, vous pouvez aussi, bah, comme The Vengeur, vous pointer sur le Discord de la chaîne pour faire des propositions. C'est toujours très, très sympa de lire vos messages, ça me fait toujours plaisir. Et puis d'avoir des suggestions, ça peut être sympa. Vous avez aussi les autres réseaux sociaux, je pense à Mastodon, je pense à Blue Sky, je pense à X, à Instagram, bref, la totale. Si vous avez envie d'avoir les petits messages qui vous disent « Eh, au fait, le live va bientôt commencer », ou alors effectivement d'activer les notifications côté Twitch. Oui, tout à fait, Nas, donc il y a les rediffs sur Twitch pendant deux semaines. Et là, en ce moment, j'ai un backlog assez conséquent parce que j'avais malheureusement pris du retard sur les vieilles rediffs sur ma chaîne YouTube. Donc, pour le moment, il y a encore pas mal de retard, mais j'avance pour rattraper ce retard. Mais pour l'instant, tu as juste les deux semaines sur Twitch, plus si jamais c'est pas pour ceux qui sont Prime, je crois, ou ceux qui sont sub. Si, je crois que c'est quand on a Amazon. Ah, je sais plus. Bref, mais je préfère dire qu'il y a que deux semaines de rétention. Je fais juste l'upload de la même vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que je au niveau musique, j'ai mis des musiques libres de droit. Salut à toi, FreedomX86, t'arrives sur la fin. Non, on ne peut pas me suivre sur MSN puisque MSN a fermé ses portes. Je suis de regret de te l'annoncer. Très bien. Eh ben, on en a parlé un peu plus tôt dans le live, et comme vous le savez, c'est un peu la tradition avant de partir. Alors, si, il y a un truc qui permet de faire de l'upload direct, mais en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, je stream en 720p sur Twitch, et les rediffusions sur YouTube, elles sont en Full HD. Nemeto qui débarque. Quoi ? MSN n'existe plus ? Mais là, actuellement, d'ailleurs, pour l'anecdote, l'upload des vidéos est fait. Là, jusqu'à aujourd'hui, enfin, là, du coup, là, au moment où je tourne cette vidéo en direct, elle n'est pas uploadée, forcément, mais la vidéo de la semaine dernière a été uploadée sur YouTube. Il faut, en fait, que je fasse les titres. Les miniatures, bon, je les fais pas vraiment, mais c'est juste les titres et la programmation pour étaler les publications de vidéos. Nemeto, tu crois pas si bien dire. J'ai juste perdu mon compte ICQ, malheureusement.
Mais je me rappelle encore du numéro. Malheureusement, je crois que j'ai perdu l'adresse mail qui était associée au compte ICQ parce que je l'avais créé. Oh mince, je crois que je l'avais créé en 99 ou en 2000 ICQ. Ou peut-être en 2001 à tout péter. Voilà, j'avais un vieux compte ICQ, mais il n'y avait plus personne. Donc à la fin, j'ai fini par arrêter de m'en servir. Et puis bah voilà. Je crois que ça existe encore parce qu'il y a quelques années, en tout cas ça existait encore il y a quelques années, j'avais demandé s'il y avait moyen de me restaurer le compte. Et en gros, il fallait que j'apporte une preuve que j'étais le propriétaire du compte. Ce qui n'était pas évident à faire pour moi. Il faudrait que j'aille traîner, de regarder dans des vieilles sauvegardes ou des vieux exports que j'aurais quelque part qui permettraient de prouver que c'était bien moi le propriétaire du compte. Et je ne crois pas que ce soit le cas, malheureusement. Bien! Donc comme je le disais, on va aller raider l'ami Adrien de LinuxTrix, comme tous les dimanches. Je vous souhaite bien entendu de passer un bon moment avec lui. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et d'ici là, amusez-vous bien. Allez, ciao ciao et n'oubliez pas de rester pour le raid.